L'année écoulée a évidemment été dominée par l'inflation. Elle a encore augmenté bien plus que prévu initialement, principalement à cause de l'explosion des prix internationaux du gaz. Cela a entraîné une vive inquiétude pour le pouvoir d'achat des ménages et la compétitivité des entreprises. Les indicateurs de confiance se sont effondrés, mais jusqu'à présent, l'économie a résisté avec une croissance clairement positive de l'activité et de l'emploi. Dans nos nouvelles estimations, nous ne prévoyons pas de crise lourde, mais seulement un nouveau ralentissement pour atteindre une croissance un peu en dessous de zéro au cours du dernier trimestre de 2022. Elle serait suivie d'une reprise graduelle. L'énergieschok vormt een duidelijke verarming voor de Belgische economie. In 2022 dalen de reële lonen en de koopkracht van de gezinnen, omdat de indexeringsmechanismen pas met vertraging de hoge inflatie bijbieden. Vanaf 2023 mogen de gezinnen weer op een toename van hun reële lonen rekenen. De keerzijde daarvan is dat de bedrijven hun loonkosten fors zien oplopen, met maar liefst 20% tegen 2025. Bedrijven kunnen maar een deel van die hogere kosten doorrekenen in hun prijzen en zullen dus wellicht moeten inboeten op hun winstmarges. Vanaf begin 2023 wakkert de aantrekkende koopkracht de gezinsconsumptie aan. De bedrijven blijven wellicht nog wat langer voorzichtig als het op investeren aankomt. De forse toename van de loonkosten stelt hen voor belangrijke uitdagingen op het vlak van rentabiliteit en kostenconcurrentiekracht. We verwachten wel dat ze op lange termijn meer zullen inzetten op automatisering en digitalisering. De arbeidsmarkt blijft al bij al robuust en de werkloosheidsgraad blijft laag. Maar de vraag à 1 million de dollars, et bien sûr, quand cette inflation va-t-elle enfin se résorber? En fait, le pic semble être derrière nous. En novembre, l'inflation totale s'est déjà réduite à 10,5%. Selon nos prévisions actuelles, les pressions sur les prix vont encore diminuer progressivement. Et d'ici l'automne 2023, l'inflation passerait même sous la barre des 2% en raison de la réduction des prix énergétiques. Bien sûr, l'incertitude reste très élevé. Si les prix de l'énergie devaient rebondir ou si les entreprises devaient répercuter une part plus importante que d'habitude de leurs coûts sur les prix, alors l'inflation resterait élevée plus longtemps. Le begrotingstekort valt dit jaar wat kleiner uit dan verwacht. Maar dat komt vooral omdat de economie nog altijd relatief weerbaar is. Vanaf 2023 vergroot het tekort weer en als het beleid niet wijzigt, zal het tekort in 2025 nog steeds bijna 5% bbp bedragen. Op dat moment zal dat natuurlijk nog amper te wijten zijn aan de corona- of kostencrisis. Dat is des te zorgwekkender omdat de schuldratio zich op het stijgend pad bevindt. In een context van stijgende marktrentes is dat zeker geen goed vooruitzicht.